Nous sommes avec le fils de Louis Ouarmarie, donc Alexis. Alexis, bonjour. Bonjour. Donc Alexis, tu as débuté le rugby à quel âge J'ai commencé le rugby à l'âge de 8 ans, au club d'Argelès, Gazost, là, à côté de chez moi. Donc, après avoir passé 2 ans au basket, parce que bon, mon père ne voulait pas que je commence trop le rugby, pour pas que je ne sois dégoûté tout ça, donc j'ai préféré faire 2 ans de basket et après vite quand même revenir sur le rugby. C'est un sport qui m'attirait d'autant plus. Dès que tu as goûté au rugby, ça a été fini là, non? Ah oui, oui, là j'ai mis le pied dedans et c'était terminé, ouais, il fallait y rester. Donc à 8 ans, tu as commencé à Argelès-Gazost, ouais. Un club qui a formé beaucoup de joueurs, un formateur, un bon club. Et ouais, c'est vrai que ça, ils ont formé pas mal de joueurs. Mais on a vu passer à Tarbes une bonne partie avec Thierry Lacrampe qui est maintenant à Clermont, Adrien Domecq qui joue ici, Florian Héry qui est à Castres, ensuite Flo Cazenave qui était à Perpignan tout ça, et maintenant qui est en Italie. Et puis après d'autres jeunes comme Jérôme Cabane, Paul Sajou, c'est Hugo Soutric qui joue avec moi tous en espoir. Donc vous êtes retrouvé ce groupe en espoir, effectivement. Et après, comment tu as été recruté par le TPR? Pourquoi tu es venu à Tarbes finalement? Tarbes, c'est un peu le club phare du département déjà. Donc moi j'ai commencé disons, pour faire des sélections avec le comité et tout ça. Et ça faisait 2-3 ans qu'ils me demandaient à Tarbes, mais bon moi je voulais quand même rester à Argelès avec les copains pour faire au moins une année cadet. Donc je suis arrivé à Tarbes en cadet deuxième année. Donc j'étais un peu aussi obligé car j'ai été sélectionné pour entrer au Pôle Espoir Rugby de Bayonne. Donc il fallait rentrer dans un club où on jouait à une catégorie où, qui est la meilleure depuis notre âge. Donc c'est pour ça que je suis venu à Tarbes, vu que c'est aussi à côté de la maison, tout ça. Donc une bonne intégration au TPR. Et ensuite les sélections, tout s'est vite enchaîné quand même. Oui, oui, avec le pôle, tout ça, ça a bien enchaîné. Donc première année, moins de 17 ans, je suis rentré. Donc ouais, sélection avec l'équipe de France, moins de 17 ans. L'année d'après, avec moins de 18, on a fait les championnats d'Europe, tout ça. Et après, après le bac, partir, être pris à Marcoussis au pôle France et faire une saison avec les moins de 19 ans. Voilà. Et ce poste de troisième ligne, puisque tu mesures 1,92, donc te plaît énormément. Tu as toujours joué à ce poste? Eh bien non, j'ai pas toujours joué. Enfin, bon, quand on est petit, on joue devant, derrière, tout ça. Mais moi, j'ai toujours été attiré pour jouer devant, bon, avec mon père qui jouait devant aussi. Mais dans les années, enfin, quand j'étais en Benjamin minime, j'ai pas mal aussi joué derrière, comme moi dans mon club d'Argelès, ça manquait un peu tout ça. Donc j'ai joué un peu au centre, mais bon. J'ai toujours été très attiré par le poste de troisième ligne. C'est quand même un poste intéressant où on touche beaucoup de ballons, il y a beaucoup de contacts, d'engagement, de courses. Donc c'est un peu le mix entre l'avant et le trois quarts. Donc c'est très intéressant. Et c'est là où tu as été sélectionné donc à l'équipe de France à ce poste? Ouais, exactement. Très bien. Et en parallèle, tu poursuis des études aussi? Ouais, ouais. Mais là, moi, j'ai eu mon bac donc, au lycée Cassin quand j'étais en Pôle Espoir à Bayonne. Et après, j'ai continué les études justement ici en alternance avec le centre de formation et les études. Donc, je fais des études, une formation de gestion d'unité commerciale. Donc là, j'ai fait ma première année l'an dernier. Là, je suis sur ma deuxième année. Et donc, quand j'aurai validé mes blocs, donc j'aurai mon diplôme et je vais sûrement poursuivre en école de commerce l'année prochaine. Tu es au centre de formation du TPR? Ouais, ouais. Ben ouais. Moi, il m'avait fait signer pour 3 ans. Donc, c'était. Ça tombait dans ma dernière année de Pôle Espoir à Bayonne, donc ouais, la terminale l'an dernier et cette année, donc là je suis en fin de contrat, donc on va voir ce qu'ils me proposent pour les années qui suivent. Bon, et j'espère, vu que c'est un club quand même qui j'espère va faire jouer ses jeunes et tout ça, donc ils nous ont déjà fait jouer quelques jeunes sur les matchs amicaux cet été, donc j'ai pu jouer un match, donc j'espère que ça va continuer pour l'an prochain, tout ça. Donc, donc voilà. C'est ton objectif ouais, c'est mon objectif, voilà. Moi je n'ai jamais resté dans ce club, tout ça. Bon, il y a des valeurs qui me conviennent, tout ça. Donc, Eh bien, nous te souhaitons de rester en bigorre parmi nous. D'accord. Merci. Merci à vous.